Il est bien le mascar. Ça, c'est le système de fermeture de porte avec les claques qui collent ici. Voilà, on est au Cappadoce, Nefshehir. Enfin, on est à Gorem là. La ville de Gorem est juste là-bas. Et voilà les célèbres cheminées du fée. Les Cappadoce, Turquie. C'est partout comme ça. Et je voulais vous montrer aussi comment les Turcs prennent soin de leurs animaux, les animaux errants. Donc vous trouvez assez souvent des petites cabanes comme ça et des endroits comme ça où on peut déposer des croquettes pour chats ou pour chiens. Et ça, on le trouve assez souvent en Turquie, même au bord des routes. Donc franchement, bravo. Là, j'ai peur. Je sais pas où on va. Mais en fait, là, on est en bas des cheminées, si je le vois bien. Oui. C'est là où on dit, mais comment les gens sont arrivés là-bas? Pas de voiture qui arrive à fond, là. Ah bah, pas intérêt, hein. Faut que tu prennes large. Ah bah oui, il faut que tu prennes large. Ah. Qu'est-ce qu'on est allé là? Il y a un taxi qui monte. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Cela dit, c'est beau, quand même, il faut reconnaître. Nous sommes au musée en plein air de Gorémé, donc au milieu de toutes ces cheminées de fées et habitats troglodytes.
En fait, c'était une forte communauté de chrétiennes. Et il y a plein d'églises et il devait y avoir des moines qui vivaient en troglodyte. Centre. Un peu partout. Et c'était un centre d'éducation, à l'éducation religieuse. Voilà une des nombreuses cuisines de cet énorme centre monastique à côté du réfectoire qui est juste à côté. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, passe-plat. Et voilà. Le réfectoire. Donc là, un grand réfectoire. On peut voir la table avec les bancs tout en pierre. Juste l'emplacement pour mettre les pieds. Donc ça, c'était un four. Et les alcôves, ça devait être des réserves. Alors ici, vous avez un espèce de rocher. Et en fait, ici, c'était un couvent de nonnes. Et il y avait des réfectoires en bas. C'est comme sur 3-4 étages. Réfectoire en bas et chambre, tout ça là-haut. Et il y avait des grosses meules de pierre ronde pour fermer les accès, pour protéger la vertu des nonnes, des invasions ottomanes. On est au caravansérail de Sultan Ani, entre Cappadoce et Konya, sur la route de la soie. Donc il était très grand. Et il y a une mosquée, il y a les cuisines, les bains. Donc tous les 35 km à peu près, il y a les caravansérails sur cette route. Mais celui-là, c'est le mieux conservé. Dessus. Dessous. Dessus. Yes. Oh, elle connaît bien le gars. Udartan, Shudan. Ah, il le prend de là. Un peu loin. Ici, un peu plus loin. Ah, moi. Là, on est sur la plage du village de Shir Ali. C'est la côte méditerranéenne. La mer est belle.
On est sur le site de Chimera. Et il y a des flammes comme ça qui brûlent sans fin, dues à des émanations de méthane. Et le nom de Chimère viendrait d'ici. Ils disent que c'est le monstre, la chimère, donc qui est enterré sous la roche. Ok, d'anciens trous, il n'y a plus de flammes. Mais bon, ça doit changer. Ah oui, ça sent un peu le gaz. Voilà le joli décor de plage, côte méditerranéenne, au sud de la Turquie où nous sommes maintenant. Vous avez pu voir donc dans la vidéo qu'on est parti, qu'on a été au Cappadoce, une région unique avec des décors fabuleux. La cité souterraine de Derinkuyu, elle n'est pas la seule, il y en a beaucoup à visiter. Dommage, les photos, enfin les vidéos ne rendent pas très bien, c'était trop sombre. Après les Cappadoces, on n'a pas vu tous les ballons, il y avait un peu trop de vent et ça a été annulé. Et ils ont surtout eu un gros accident apparemment en octobre, donc ça les a un peu calmés sur les ballons parce que ça devenait vraiment l'usine et les ballons étaient à touche-touche. Donc très dangereux, mais c'était bien quand même, même sans les ballons. De toute façon, on voulait pas faire de ballons, on voulait voir le décor, quoi. Et donc ensuite, on a pris la route entre les Cappadoces et Konya, des belles routes aussi, très volcaniques, beaucoup de décors rocheux. Et on est arrivé à Antalya, une très jolie ville au bord de mer. On a de la chance qu'on est hors saison parce qu'à mon avis en saison c'est bondé. Et Chirali un peu plus au sud d'Antalya avec les chimeras, avec les feux qui sortent des émanations de gaz. Voilà. Maintenant on va se diriger tout le long de la côte méditerranéenne. On va remonter sur Izmir, à côté d'Izmir. On a réservé le bateau pour passer en Grèce avec le camion le 4 décembre, on a le billet. Et donc on passera sur l'île de Chios, qui est juste à 30 minutes en bateau de la Turquie. Et de Chios, on ira au Pirée, à côté d'Athènes, voilà. Et bien, à bientôt et à bientôt dans la prochaine vidéo. Voilà, bye!